Ah bonjour, vous êtes là, je vous avais pas vu. S'il y a bien un pilote qui fait l'unanimité sur la question « Mais qu'est-ce que ce mec fout en Formule 1 ?» c'est bien Lance Stroll. Oui, ou Romain Grosjean, mais... Oui, Magnussen aussi, oui. Oui, Vettel aussi, c'est bon, de toute façon, il y aura toujours quelqu'un pour détester tout le monde. Voilà, tu m'as fait foirer mon intro. Bref, aujourd'hui, je voulais revenir sur la carrière du Canadien le moins populaire du plateau, non, pas celui-là, pour tenter de comprendre le dédain de la majorité des fans de Formule 1 avec Lance, fils de Lawrence, et voir si sa présence dans la catégorie reine est si injustifiée. Certains sur cette chaîne le savent, j'aime me faire l'avocat du Stroll pour le simple plaisir d'aller à contre-courant de la pensée populaire, mais aussi pour tenter de démystifier certains a priori infondés. Et puis bon, vu que j'aime pas trop le concept de détester des pilotes, j'ose croire que je pourrais contribuer à faire en sorte à ce qu'il soit un peu moins haï. Ouais, je suis hyper orgueilleux, ouais, je sais. Mais bon, j'aime pas trop l'idée qu'on puisse détester des pilotes. Bon, ouais, ok, sauf celui-là. Alors évidemment, la réponse concernant l'aversion que Stroll peut recevoir est assez simple, hein. Ouais, c'est un fils à papa, arrivé en Formule 1 très jeune, grâce à l'argent de papa, que papa a racheté une équipe et il a placé son fiston dedans, ce qui a forcé l'équipe à dégager un pilote qui avait prouvé mériter sa place dans la discipline, alors que lui, en 3 saisons seulement, eh ben, il a jamais réellement ébloui qui que ce soit. Ouais, non, mais les arguments sont pertinents, hein, je dis pas le contraire. Mais je ne t'apprendrais rien si je te disais que l'argent est une arme indispensable pour la Formule 1 et que nombre de pilotes présents et passés sont arrivés en Formule 1 en payant leur place. Et puis, c'est pas comme si gagner quelques dizaines de millions à la loterie allait permettre à n'importe qui de devenir pilote de Formule 1. C'est pour ça que je vous propose un petit retour en arrière sur la carrière de Lance et tenter de voir s'il y a réellement une absence de talent ou s'il subit juste une mauvaise réputation à cause des faits énoncés plus tôt. Nous sommes au mois de février 1998. Lance et Clarence Stroll passent une soirée de la Saint-Valentin torride, pleine de romantisme qui... Pardon, ouais, non, je vais sauter 2-3 détails. Lance naît donc 9 mois plus tard, après cette soirée intime à Montréal. Lawrence transmet sa passion pour la course automobile à son fils, comme beaucoup de papas à travers le monde, et il est aussi très riche, contrairement à beaucoup de papas à travers le monde, et offre ses débuts en karting à son fiston, également contrairement à beaucoup de papas à travers le monde. Lance se montre très compétitif en gagnant le championnat canadien en 2008 et 2010, et grâce à cela, il fait partie des premiers pilotes que Ferrari prend sous son aile dans la Ferrari Driver Academy. Un début de rêve pour le Canadien qui, comme beaucoup d'enfants nés dans les années 90, a grandi en voyant la Formule 1 subir la domination de Ferrari et Michael Schumacher. Ferrari facilite donc son accession en championnat de karting européen réputé pour sa compétitivité. Et la différence de niveau se fait vite ressentir, Stroll ayant du mal à se démarquer du peloton sans être non plus complètement ridicule. Il fait ses débuts en monoplace en championnat d'Italie de Formule 4 et remporte ce championnat jugé comme un des plus compétitifs du monde à ce niveau. À l'intersaison, il part même en Nouvelle-Zélande remporter le championnat des Toyota Racing Series. Jusque-là, c'est pas trop mal hein, pour des débuts en monoplace. En 2015, il part en Formule 3 européenne et se fait très vite remarquer. À cause des accidents qu'il cause, par contre. Ah, il se fait même bannir pour une course, ouais. Il termine malgré tout 5e du championnat avec une victoire, mais terminant largement derrière ses coéquipiers, Felix Rosenqvist, un nom que j'ai jamais su prononcer, et Jake Dennis, ainsi que ses collègues de la Ferrari Driver Academy, Antonio Giovinazzi et Charles Leclerc. Mais il faut relever que dans ce top 5, seuls Leclerc et Stroll lui-même sont des rookies, et le Canadien retente sa chance en 2016 et remporte 14 des 30 courses du championnat, largement devant Maximilian Günther et George Russell. Et soyons honnêtes, si on oublie son début de saison cafouilleux en 2015, à ce stade de sa carrière, je vois un pilote qui présente un sérieux potentiel pour devenir pilote de Formule 1. 3 titres de gagner en 4 championnats de monoplace en 3 ans, c'est pas sale du tout. Oui, contrairement à d'autres pilotes, l'argent n'était pas un problème, mais Stroll n'a pas eu à gérer ses soucis hors de la piste que d'autres de ses collègues ont vécu, mais ça n'enlève rien au résultat en soi. Mais c'est là qu'est, selon moi, la plus grosse erreur du management Stroll. Plutôt que de partir en GP3 gagner le titre comme l'a fait Esteban Ocon juste avant, et comme le feront juste après Charles Leclerc, George Russell et Antoine Hubert, ou même viser le championnat de Formule 2, Lawrence sort le maxi chéquier pour convaincre Williams de le signer pour la saison 2017. Et puis vous connaissez ses comptes chez Williams, hein ? Bien sûr qu'ils ont accepté.
Dans une saison avec des nouvelles Formule 1 plus physiques à piloter et avec de nouvelles directives techniques, la venue du jeune Stroll pousse l'expérimenté Felipe Massa à la retraite. Heureusement que Mercedes leur a chippé Bottas quand Rosberg a pris sa retraite, ce qui leur a permis de reprendre Massa, car sinon je suis sûr que Williams courait à la catastrophe vu la mauvaise saison qu'ils ont eue en 2017. Contrairement à ce que l'intégralité de ma chaîne peut laisser penser, j'ai rien contre Bottas, hein. C'est un très bon pilote, mais bon, il n'a pas autant d'expertise technique qu'un Felipe Massa à ce stade de sa carrière. Bref, retour à Stroll. Preuve de ce mauvais choix, et pour Stroll et pour Williams, le Canadien s'humilie aux essais privés en se crachant constamment. Inutile de dire que sa mauvaise réputation est déjà faite. Sa saison 2017 est brouillonne, mais s'illustre en qualif sous la pluie à Monza, et surtout à Bakou, où il tire le meilleur d'une course chaotique pour terminer 3ème. Malgré tout, il termine la saison avec 40 points, 2 derrière Massa. Bon, ce podium a beaucoup joué dans ce résultat, mais malgré un rythme de qualification déplorable, il tient la comparaison 7 à 4 en course. Mais Stroll ne sauve pas pour autant son image, surtout lorsqu'il se force à publiquement réfuter toute l'aide que Massa dit vouloir lui transmettre. C'est pas sympa de faire ça aux gentils brésiliens, mais je comprends que quand on est un gamin de 18 ans et que tout le monde met ta carrière au crédit de ton papa, t'as pas envie de te laisser paternaliser par ton coéquipier. La saison 2018 est un désastre pour Williams, donc on va directement passer à 2019. Lorenz rachète donc Force India suite à son administration fiscale. On se doute que c'est pas seulement son flair d'investisseur et sa passion pour la course qui a convaincu Lorenz d'acheter l'équipe, et personne n'est surpris de voir Junior dans la deuxième voiture rose aux côtés de Pérez. Et soyons honnêtes, Stroll n'a pas tenu la comparaison avec Pérez aussi bien que l'avait fait un bien moins expérimenté Esteban Ocon en 2017. Mais je pense pas que Stroll ait été ridicule cette saison. Ouais, sauf en qualif, ouais, sauf en qualif. Mais le mec a fait une saison propre, s'illustre avec des départs flamboyants et a fait de belles performances à certains moments de la saison. S'il n'y avait pas conflit d'intérêt, je ne doute pas une seconde que Schaffner se serait mordu les doigts à se demander s'il allait recruter Ocon ou Hülkenberg pour 2020. Stroll a certes montré des étincelles de talent, mais après 3 saisons à ce niveau, je pense pouvoir déclarer qu'il n'a pas sa place dans la discipline. Mais partant du principe qu'il sera là jusqu'à ce que papa en ait marre de voir son fiston ne pas rentabiliser son investissement, je peux continuer à lui laisser le bénéfice du doute. Lens était vraiment prometteur dans les catégories inférieures, mais quand on considère le temps d'adaptation nécessaire des pilotes venus de la F2, je me demande si c'est pas juste une question de temps avant qu'ils ne parviennent à trouver un niveau similaire que ce qu'il affichait en F4 et en F3. Je ne pense pas que Stroll ne soit en réalité qu'un pilote médiocre qui n'est pas à sa place, mais plus un pilote plein de promesses qui a été trop rapidement propulsé en Formule 1 dans une équipe assez mal placée pour accueillir des rookies. Quoi qu'il en soit, j'espère qu'il arrivera rapidement à se mettre au niveau, car déjà, c'est malgré tout un gamin à la personnalité assez sympathique, hein. Avoir des parents riches peut contribuer à faire des enfants capricieux et détestables, mais je trouve que Lance a au contraire un caractère réservé et est conscient de son manque de performance. Et j'espère qu'il se mettra au niveau aussi, parce que, bon, on va pas se mentir, il est parti pour rester encore un bon moment en Formule 1.